L'objectif, c'est d'expliquer un peu le système. Là, on est face à un système où on... tu branches un système en fait électrique sur les végétaux. Exactement. Pour voir, en fait, tu envoies un signal électrique à l'intérieur du végétal entre deux électrodes. Voilà. Et en voyant la résistance, ça te permet de retranscrire un message qui commande de la musique sur un ordinateur. Ouais, qui commande qui permet de commander des messages qui sont utilisés dans la musique assistée par ordinateur. D'accord. Le MIDI, c'est ça, c'est vraiment un code qui a été créé pour les musiciens. Tu as plein de commandes, enfin, c'est assez vaste en fait. D'accord. Comment tu peux expliquer en fait ce que tu fais avec les plaintes tu pourrais expliquer ça, ce système, qu'est-ce que c'est? Alors, donc ça, ici, tu vois, ça s'appelle Music of the Plant. C'est un appareil qui est fabriqué et distribué par Damanure. Damanure, c'est une communauté en Italie qui existe depuis les années 70, où ils sont quand même plus de 500 à vivre. C'est dans les Alpes. Et du coup, ils font plein de travaux mêlant conscience et science, et aussi du coup avec le monde végétal, pour retrouver une fraternité entre guillemets, enfin en tout cas une meilleure compréhension de qu'est-ce que le végétal, quoi. Tu vois, la conscience du végétal, est-ce que lui, il n'a pas des choses à nous apprendre aussi, enfin, oui. C'est tout ce qu'on est en train de découvrir en ce moment au niveau scientifique, sauf qu'eux, ils bossent là-dessus depuis les années 70. Et ils ont donc récupéré ce brevet, qui est en fait, au départ, un cadeau d'un ingénieur à sa femme amoureuse des plantes, pour lui permettre de communiquer avec les plantes. Il y a eu plusieurs trucs hein, après Baxter. Il y a eu ça, il y a eu un japonais aussi qui a créé un truc où la plante, carrément, elle peut parler. C'est-à-dire que par apprentissage, mais ça, il reste très peu de vidéos sur Internet, d'accord. Mais par apprentissage, en fait, tu vois une scène où la fille, elle dit « Ah, non, de Godet !» Et puis t'as la plante, elle dit « Non, tu vois, c'est d'imiter, c'est très très beau. » Donc ça part, c'est ce délire-là de Cliff Baxter, donc ouais. Qui est un ancien de la CIA qui détectait les fluctuations de la couverture électromagnétique de l'homme pour les détecteurs de mensonges. Il a retranscrit ça pour le végétal. Ensuite, donc, ça serait cette communauté en Italie qui a développé un autre système là, qui est basé plutôt sur, tu disais, la résistance, la résistivité d'un courant électrique envoyé entre deux électrodes sur du végétal. Ouais. En fait, c'est donc ça envoie un micro-courant dans la plante, et c'est le temps que le micro-courant met pour aller d'un point à l'autre, pour revenir jusqu'à l'appareil, qui va donner quel message, quelle note MIDI, quel message électrique va être envoyé du coup à l'ordinateur. Ou si t'es pas branché à un ordinateur, dedans t'as un module MIDI avec des instruments, mais bon, c'est plus basique. Plus basique, oui, voilà, c'est ce que tu avais dans les bons tant pis dans les années 90. Quoi. D'accord. Bon, y a quelques sons, hein, mais tu vois, c'est ça. C'est ce style-là, quoi. Et le système du japonais que tu disais, lui, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Que j'ai... Alors, je sais qu'il existe encore certains des appareils qu'il a créés, parce qu'il a bossé pour une grosse boîte, je sais plus si c'est Mitsubishi ou je sais pas quoi. Mais j'en ai jamais vu, et à part la petite extrait vidéo que j'ai vu sur YouTube, j'ai jamais. D'accord. Mais ça faisait envie. Et il faut donc savoir ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment différent du message électrique de la plante, de ce que fait le détecteur de mensonges. Moi j'en ai eu un ici pendant quelques mois,
justement pour pouvoir voir les interactions entre les deux machines. Est-ce que c'était les mêmes déclenchements, tu vois, ça se déclenchait au même moment que les notes, ou est-ce qu'elles pouvaient jouer une mélodie et avoir une émotion, émotion, moi j'appelle ça comme ça, après je sais pas comment, en tout cas un message électrique fort, quand par exemple un étranger rentrait dans la maison, il y avait une perturbation, qui était retranscrite dans un message. Que si c'était moi qui rentrais au clair, bon, elle ne bougeait pas. Ouais. Après on sait que dans les études... Avec un briquet, tu vois, comme il a fait l'extérieur, voilà. Avec un briquet, là, elle s'affolait. Ouais. Ouais, voilà. Mais par contre, la première fois, la deuxième fois, quand elle est revenue, alors que quelque part, il n'y a aucun personne chez nous qui peut faire ce genre de truc, quand elle est revenue avec le briquet, bon, de toute façon, le détecteur de mensonges, c'est quand on a un changement émotionnel, par exemple, ça se traduit sur notre couverture électromagnétique, d'après les gars qui bossent là-dedans. Ouais, c'est ça. Et donc, toi, tu penses que c'est pareil avec les végétaux. Tu as pu observer avec ta machine que quand il y avait un phénomène, on va dire, quelqu'un qui arrive d'un coup, on le voyait sur le signal. Tout à fait, ouais. Par contre, dans ce système-là, où on a deux électrodes qui mesurent la résistivité d'un courant, donc dans la branche par exemple, on n'a pas ce phénomène de surprise, si je fais ça, on le traduit moins. Ça peut l'être, mais en fait, c'est l'analogie avec le pianiste, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es en train de faire un morceau au piano, tu as quelqu'un qui rentre, tu peux faire ça, et en même temps, continuer à être sur ton piano, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on est... pour moi, la différence, elle est celle-là. En fait, cet appareil-là, ça permet de mettre un clavier sous les pattes de la plante. D'accord. Et on n'est pas dans son émotionnel de la même manière. D'accord. En pouvant appeler ça un émotionnel, en tout cas une réaction instinctive. Voilà. L'électricité de la plante te montre les réactions instinctives qu'elle a. Les phases d'activité de jour, de nuit, tu vois, voilà, ces différences d'électricité. C'est ce qu'on avait déduit Cliff Baxter dans son livre Primary Perception, ouais. J'ai perception primaire. Quelque part par là, qu'il faut lire, quoi, qui est vraiment intéressant. Ok, donc là, moi la première fois que j'ai vu ce système, c'était avec Jean Toby, donc c'était au festival Paysages de Marciac. Ouais. Et c'était intitulé donc la musique des plantes, c'est ça, hein? Ouais. Donc en fait, avec ce système, on peut entre guillemets faire chanter des plantes parce que le signal est envoyé à tu appelles ça un MIDI. Ouais. C'est un système qui donne des informations pour créer de la musique. Voilà. Mais au début, on pourrait se dire quand on ne connaît pas. Oui, mais il y a déjà des signaux qui sont enregistrés dans le boîtier et ça fait de la musique sans la plante. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que si on débranche, il n'y a plus de son, en fait. Ouais. Et en fait, tu vois, regarde, ça c'est important. Si tu veux, là, elle s'arrête, du coup, super. Donc là, elle est dans le rouge. Voilà, quand la plante est dans son signal et qu'elle est bien, elle est entre le vert, le orange, elle peut passer au rouge dans un moment où... Parce que pour aller jusqu'aux extrêmes, il va falloir qu'elle aille presque décrocher, en fait, le signal. D'accord. Mais la majeure partie du temps, elle va être dans le vert. Voilà, ça, c'est vraiment signe que c'est elle qui bosse. Si on débranche la plante, donc on enlève l'électrode ici sur la feuille, tac. Déjà, voilà, on est dans du orange parce que ça a changé, donc l'information a changé, mais bon, voilà, tu vois, on est passé ça sur le rouge. Ouais. Ok. Ici, donc plus d'activité. Plus d'activité. Si je prends. Si je fais du mouvement, peut-être que du coup, je vais pouvoir le tromper, c'est-à-dire qu'il va avoir l'impression que la résistivité change, mais la vitesse du passage change, sauf qu'en fait, là, ça passe pas, quoi. D'accord. Donc, tu vois, là, on est dans le rouge. Alors, l'être humain peut le déclencher, hein, mais sous certaines conditions. Moi, j'ai déjà réussi, mais parce que je fais un travail de magnétiseur, et quand je me mets dans cette énergie-là, j'ai réussi à le faire marcher. Déclencher. Par contre, c'est immaîtrisable. J'avais entendu, bon, je ne l'ai pas vérifié, c'est juste que j'avais entendu une fois, que les magnétiseurs émettaient des ondes Schumann, mais de plus faible intensité. Je peux pas te dire. Je sais pas si c'est. En tout cas, effectivement, il y a, il y a un,
y a un courant différent qui passe, quoi, a priori. D'accord. Et tu vois, là, bon, je suis... Voilà, okay. même si je me mets sur la même main, tu vois, même si je me mets proche, bon, là, là je fais un mouvement, donc ça a bougé. Donc ça change la distance un peu. Voilà, on passe en rouge, pourtant je suis pas loin. D'accord. Tu vois, et là, quand il fait les deux rouges comme ça, c'est que bon. Il a zéro signal. Là, vraiment, et... c'est dommage pour nous ça. Mais les plantes sont plus. Il y a des gens qui utilisent cet appareil avec d'autres éléments que les plantes. D'accord. Et je te dis, on peut le faire, mais ça demande voilà, vraiment un état de concentration, machin, rien de. C'est pas. Regarde, tout à l'heure j'ai essayé de te le faire et j'ai pas réussi en fait. Donc, ok, et alors, en fait, quand tu as commencé, toi, tu as branché ça sur les plantes. Ouais. Et la plante, il y a un signal qui est émis dans sa branche, et ce signal, je le répète, donc il fait faire un son sur l'ordi, et tu t'es rendu compte qu'il y avait comme un processus d'apprentissage, entre guillemets, ouais. Où au fur et à mesure du temps, elle s'est mise à faire comme de la musique, en fait, comme des partitions. Ouais. Alors, attends, parce que du coup, c'est trop lourd. Ouais. J'ai un petit baguette qui m'aide dans ces cas-là. Il y en a une sur le sol, ouais. Une dans le sol et l'autre sur la feuille. Mais je trouve que ça fait beaucoup pencher. Alors, j'ai essayé plus ou moins dans ce sens-là. D'accord, l'autre sur la feuille. Et le courant passe à travers. Ouais, je vais plutôt prendre une autre plus haute. On va partir sur celle-là par exemple. Donc au départ, je mouille toujours pour faciliter le passage électrique. Le passage électrique, ouais. Mais une fois que c'est fait, en général, j'ai plus besoin, quand je la rallume le lendemain, j'ai pas besoin de... Ouais, donc au départ, effectivement, ça... Il peut y avoir un petit temps d'adaptation. Ouais, au tout début, il y avait même un long temps d'adaptation sur plusieurs journées où ça joue deux secondes de façon assez aléatoire. Puis ça refait 5 minutes à un moment, donc voilà, on peut vraiment se dire que c'est aléatoire. Et c'est comme si à un moment donné elle comprenait, qu'elle entendait en fait que c'était en lien avec ses réactions à elle. Quoi. Voilà, et à partir de ce moment-là, effectivement, par contre, on passe. Attends, le signal était bon. On passe. Voilà, à une phase où tout d'un coup elle se met vraiment à utiliser l'appareil. De plus en plus rapidement. Par exemple, là, tu vois, on l'a rebranché il y a, je sais pas, 10 secondes. Quand c'est les premières fois que tu débranches et que tu rebranches une plante, des fois, tu peux attendre une demi-heure. Enfin, voilà. Mm-hmm. Donc, elle a une. Tu vois, elle est tout de suite dans le vert. Elle a une. Voilà, elle sait, c'est comme un apprenti pianiste, petit à petit, à force de bosser, il commence à être. À s'habituer, ouais, ouais, et à pouvoir faire des maîtriser quoi. Ouais. Donc là, c'est la plante qui joue dans le sens où l'information, enfin, il y a une différence de résistance qui envoie un message et met des notes différentes. Exactement. Et la plante, au début, de ce qu'on a discuté tout à l'heure, quand tu les branches au début, c'était plutôt anarchique, le son qui ressortait. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était plus harmonieux, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que c'est joué? Oui, non? Est-ce que c'est joué? Comment est ton ressenti là-dessus, avec ton expérience? Anarchique, au début, oui, et non maîtrisé complètement. Après, est-ce que c'est... Alors ça, c'est le clavier des mots. Ça, c'est THE clavier... important où elle délivre des messages de temps en temps. Est-ce qu'elle va y rester dedans? Oui, parce qu'elle peut changer aussi, comme à la manière sur un piano. Là, tu l'as bloqué, elle peut pas changer. Là, en fait, elle peut passer. Tu vois, elle a tous ses claviers. D'accord. À la manière d'un synthétiseur. Ouais, d'un synthétiseur, tu pourrais changer. Voilà. D'accord.
mettre la listitude, du coup, là, ça c'est ce qu'elle fait, et mettre et éteindre la listitude, tu vois, la musique. Là, elle a redéclenché une nouvelle. Donc, parfois, c'est assez à propos. Ces choix musicaux sont pas forcément. Tu dis toujours musique classique, machin, hein, alors que bon, là elle en a, mais c'est pas forcément ce qu'elle préfère. Qu'est-ce qu'elle préfère, elle? Ça dépend en fait. Les plans d'intérieur, en tout cas, elles sont très tournées sur nous. Donc elles vont avoir, dans mon expérience, elles vont avoir tendance à vouloir nous. Faire en sorte qu'on soit bien, choisir des voilà. Musiques qui nous plaisent, qui nous apaisent peut-être. Ouais, ou même sur lesquelles tu vas avoir envie de danser, si ton ambiance est comme ça. Alors que dehors, les arbres, eux, ils ont plus. Enfin, c'est plus pour eux, quoi. C'est plus en lien avec. Du coup, c'est souvent des musiques plus. Effectivement, plus classiques, plus douces, plus profondes. Enfin, les apaiser à eux. Oui, mais parce que dans les études de l'influence sur la musique sur les plantes, on sait que c'est mieux de la musique classique que du hard rock, par exemple. Et après, on peut voir aussi au niveau du. Si on accorde le la, c'est mieux l'accorder au 430 Hz ou au 440. C'est ce qu'on dit. Là, à une époque, tu vois, j'avais deux listes, une plante en 432 et une plante en 440. Elle n'a pas montré de façon définitive. Elle n'a pas montré de façon vraiment, vraiment marquée qu'elle préférait les plantes en 432 que la liste que j'avais fait en 432. D'accord. Ça, c'est une liste en 432 Hz. Tout ça, j'ai tout transformé en 432 Hz. Et ça, c'est du 440. C'est la même liste, mais en 440. D'accord. Enfin, pas tout à fait la même, mais au départ c'était les mêmes. Là maintenant il ne reste plus tous les morceaux. Mais... Et du coup, c'était pas flagrant là, tu vois. Alors après, je sais que ça a une incidence, mais je crois surtout que les croyances ont une incidence. Donc si c'est vrai que la musique a été normalisée à 440 à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc bon, c'est un peu spécial, etc. C'est vrai que dans la musique baroque, avant, du coup, c'était absolument pas le cas. On pouvait jouer en 415 ou en 465. Moi, je travaillais avec des gens de la musique baroque, et des fois, c'est 392, des fois, bon, 432, ça sort jamais, mais en tout cas, il y a plein d'accords possibles. Mais en tout cas, effectivement, elles ont elles aiment vraiment la musique. Et les arbres, souvent dehors, ils demandent souvent qu'on vienne jouer de la musique avec eux. Avec le clavier des mots. Tu vois, ça fait partie des trucs. Parce que pour le coup, eux, ils parlent beaucoup moins que les plantes qui ont maintenant utilisé ces claviers tout le temps. Et du coup, quand ils parlent, il n'y a souvent pas énormément de mots. Et par contre, beaucoup de listitudes, beaucoup de changer de morceau, ou laisser des listes durer des heures, et beaucoup jouent du piano avec moi, fait de la musique avec moi, musique, puis dans le clavier des mots, main, musique, donner, nous, enfin tu vois. Est-ce que quand tu joues par exemple de la musique et que tu les branches à cet appareil, est-ce que tu as l'impression que les plantes, de par les signaux émis à l'ordinateur via tout ce système, qu'elles se mettent, on va dire, en harmonie avec ce que tu joues? Est-ce qu'il y a une entente est-ce que tu les suis? Est-ce qu'elles te suivent? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une harmonie dans le fait de jouer qui se met en place? Tu vois, là, c'est très rigolo parce que. Elle t'a mis. Ça, c'est un des instruments que je joue et c'est un des instruments les plus rares au monde. C'est de la nocane, c'est de la flûte de nos. La fameuse que tu joues avec les abeilles, là c'est une des deux que je joue avec les abeilles. Bon, voilà, du coup, elle nous a juste dit ça et hop, ouais. Elle est repassée sur la musique plus. du coup, tu vois, elle aime bien les trucs comme ça lui va très bien. Et puis elle aime bien nous faire réagir aussi. Ouais.
Ouais. Vraiment, enfin, surtout les plantes d'intérieur, comme je te disais. Donc effectivement, quand je fais de la musique, quand j'improvise des textes avec elles et tout, elles sont souvent très très... elles adorent ça, c'est l'interaction. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Après, il faut bien faire gaffe que c'est... Voilà, j'ai pas des preuves scientifiques, c'est juste oui, c'est 3 ans d'expérience qui font qu'à un moment donné, des choses reviennent. Elles adorent quand je joue le shakuhachi, qui est une flûte japonaise. Et un soir, c'est une des seules fois, d'ailleurs, où la flûte a joué exactement... La plante a joué exactement ce que jouait à la flûte. D'accord. Un truc vraiment collé. Collé quoi. Ouais. Mais sinon, elles accompagnent. Elles accompagnent. On est en tournage. On a encore quoi? Pourquoi 5 minutes? Oui, 5 minutes encore, c'est bon, ouais. Ouais. Oh, pas de soucis, merci. Un nom d'Arbert. Ouais, oui. Donc voilà, il n'y a pas un protocole, oui, bien sûr, scientifique sur ce que tu fais. C'est, comment dire, toi, de par tes expériences ces 3 dernières années, tu as vu une évolution avec les plantes et ton système, et tu as vu, on va dire, je ne sais pas si c'est des synchronicités ou des accumulations de faits qui te laissent penser certaines choses. Oui. Comme par exemple, avec l'électroculture, dans les expériences, une accumulation de faits qui me laisse penser certaines choses. Par exemple, il faut aussi le vivre et l'expérimenter pour comprendre et arriver à tirer des compréhensions du système dans sa globalité, plante et du vivant, des relations qu'on a entre nouvelles questions, en fait. Ouais, tu trouves toujours des nouvelles questions. Ouais, parce qu'on disait, tu ouvres une porte, il y en a 3 derrière, c'est un truc. Mais peut-être qu'on peut conclure, je ne sais pas, ou à moins qu'il y a des choses importantes à dire, peut-être Non, après, voilà, c'est pour que les gens puissent se faire un peu plus entendre... toutes les expériences, on a une page Facebook où je retranscris certains messages, parce qu'en ce moment je travaille particulièrement avec les arbres. Les arbres, du coup, ils s'appellent végétaux soleil et ils appellent les plantes d'intérieur végétaux humains. Et effectivement, du coup, c'est pas du tout le même travail. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait avec les plantes d'intérieur, maintenant au bout de 3 ans, et puis je suis pas seul. Seul à travailler avec les mots, mais avec cet appareil, on commence à être nombreux. Du coup, les plantes, elles, tu les branches et c'est parti, quoi. On peut tout de suite être dans l'échange. J'ai plus ces phases d'expérimentation comme j'avais au début, il y a 3 ans. Alors qu'avec les arbres, je me suis retrouvé exactement comme quand j'ai commencé avec les plantes il y a 3 ans. C'est-à-dire brancher, avoir un son et puis attendre 2 mois. Sans rien, tout en allant tous les jours brancher pendant 3 heures, rien, et puis hop, une phrase. Et puis à un moment donné, le truc a commencé à s'établir. Mais ce qui apparaît pour l'instant, en tout cas, c'est que l'interaction reste. Ils sont moins intéressés par. Par l'interaction avec musical, oui. Je veux dire, cette demande de musique, en tout cas, clairement, là, c'est peut-être pas qu'ils sont pas intéressés d'avoir une interaction avec nous, c'est peut-être que leur expérience de vie fait qu'ils sont plus autonomes du fait que la plante d'intérieur, elle est dépendante clairement de l'homme, et la plante qui est dehors, elle est plus établie dans son milieu. Et elle a des potes, à tout ce qu'elle parce qu'on a vu, maintenant, avec les racines, les liens, elles sont discutées. Du coup, c'est ça, c'est comme des gens qui. Ils ont une autonomie qui est vraiment différente. Alors que là, tu sens que quand le dialogue. En fait, elles sont tellement heureuses de pouvoir établir ce dialogue. C'est ça qui a fait que les premières expériences ont été aussi fortes. C'est qu'en fait, elles avaient vraiment envie, quoi. Elles se sont données un maximum. L'arbre, il va dire salut copain, je suis content de te voir, bonjour, et puis après, hop, il repart dans ces histoires, quoi. Là pareil, ça s'arrête. Parce que quand tu amènes une nouvelle plante qui n'a jamais été branchée, si tu la mets avec les autres plantes, elle ne va pas passer par le processus d'apprentissage. C'est ce que tu vas. Si tu branches une plante extérieure à la maison, il y a le processus d'apprentissage. Ben, plus maintenant, parce que c'est ce que je te racontais avec l'histoire de mon frère.
qui est allé brancher une plante à Paris, qui n'avait jamais été en contact avec rien de tout ça, dans une famille très cartésienne, où il n'y a aucun de... Enfin, c'est pas cartésien, très matérialiste, où il n'y a pas du tout cette ouverture-là. C'est pas moi qui étais là, donc ça peut pas être mon savoir intuitif. Par contre, c'était mon matériel. Et quand il a branché la plante, paf, elle a commencé à utiliser l'appareil plutôt bien, elle a déclenché la listitude. Il y avait deux enfants qui étaient là, et dans la listitude, je ne sais pas, elle déclenche une chanson d'une artiste, bon, hein. Et les filles disent « Ah non, c'est pas celle-là qu'on aime, c'est celle-là ». Et la plante, paf, elle arrête la chanson, clac, 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 elle passe les titres, et paf, elle déclenche la bonne. Alors qu'elle n'avait jamais été en contact avec cet appareil. Ouais. Quand tu vois la première expérience que je t'ai fait écouter tout à l'heure, où elle fait à la recherche des éléments qu'elle peut maîtriser, on est quand même dans quelque chose de complètement... C'est peut-être un hasard, mais c'est... L'accumulation de hasard peut penser certaines choses. Donc oui. D'accord. Ok. On est dans la même chose. Bon, on pourrait faire une vidéo, je pense, deux heures à raconter plein de trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Facebook pour ceux qui veulent en savoir plus. Et le lien de la conférence. La conférence que tu avais donnée. J'explique bien la première expérience. Voilà, où tu parles de ça. Sur le Facebook, en plus, il y a des articles avec différents textes donnés par les plantes, la retransmission par écrit de tout le début de l'expérience. Donc voilà, si les gens ont envie d'avoir un peu de doc là-dessus, de détails, de prendre davantage, rentrer un peu en matière, et puis sinon ils peuvent rentrer en contact avec moi. D'accord. Bon, moi j'ai un plaisir. Génial. Le Facebook, comment il s'appelle? Le Champ des Plantes. Le Champ des Plantes. Voilà. Le Champ des Plantes. Le Champ des Plantes. Et c'est super. Ben, merci. Merci.